Hey, c'est Lord Unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Let's Play Génération. Alors, il s'est passé pas mal de choses dans le dernier épisode si je me trompe pas. Nouvelle carrière, on a eu un nouveau bébé, c'est vrai, il y a eu Bruce qui est en train de chialer d'ailleurs. Je crois qu'il a faim, c'est ça, j'ai pas bien compris. C'était l'anniversaire de Oliver. J'ai eu pas mal de bugs aussi. C'est de réparer les bugs du coup. En fait, ce que j'ai fait là pour l'instant, c'est que j'ai enlevé pas mal de mes mods. Bon, les vêtements et les coiffures, etc. Je pouvais pas. Vraiment, j'étais en mode, je ne peux pas vivre sans eux. Là, j'ai vraiment enlevé principalement les contenus personnalisés du mode construction, c'est-à-dire les objets, etc. Du coup, là, j'ai enlevé la plupart. Donc ça fait un peu vide parce que j'avais l'habitude de construire et de décorer avec contenu personnalisé et là je n'ai plus du tout. Donc ça me fait un peu mal de me dire que je n'ai plus tout ça. Tu vas devoir travailler depuis la maison toi. Il a vraiment besoin de se divertir le petit Winston parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Je pense qu'il est un peu tendu de cette journée parce que il a un peu peur de vieillir et bah, il va toucher la quarantaine et ça le fait extrêmement peur par rapport à ça. Et aussi j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va faire quand il aura la crise de la quarantaine. Je pense qu'ils ont appelé ça comme ça. Parce que j'aimerais bien voir c'est quoi du coup ses envies et qu'est-ce qu'il va vouloir faire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour travailler à la maison? Oh mince, ça c'est pourri du coup. Une politique globale et envoyer une demande de subvention. Donc on va faire ça. En attendant, je vais un peu vous parler. Il va où? Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que les deux derniers épisodes, du coup, l'épisode 10, je crois, de Génération, et le dernier épisode du Random Legacy Challenge, je les ai tournés en mai, mais du coup, j'ai pas eu le temps de les monter. Bref, il y a eu l'annonce du nouveau pack. Et je suis pas mal excité par rapport au nouveau pack, parce que je me dis que ça pourrait pimenter. Je pense que ça va pimenter un peu la quatrième génération du Random Legacy, car je vous rappelle que Maya va devoir être militaire, mais je me dis... pourquoi pas elle serait militaire mais dans la nouvelle ville qui va venir avec le nouveau pack d'extension et on pourrait du coup découvrir ce nouveau pack avec Maya parce que je me vois pas faire un nouveau let's play encore pour découvrir le pack Vie Orange, je sais pas comment il s'appelle, donc je me dis pourquoi pas découvrir avec Maya parce que je pense pas que ça va apporter énormément de choses non plus. Je pense que le début de la génération 4 va arriver lorsque le nouveau pack d'extension va sortir, du coup je pense que ça va être fin juillet, début août. Et en ce moment, je suis vraiment en train de songer pour faire des lives. Je vais essayer de mettre les moyens pour. J'aimerais m'acheter un deuxième écran et une webcam peut-être, je sais pas. Ça me fait un peu peur. Oh, pendant son temps libre, Oliver a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Cela les a fait beaucoup rire et a perturbé le reste de la journée d'école. Prenez le dessin et punissez-le. Je pense que Winston, il rigole pas trop avec l'école. Il est un peu sérieux. Pour lui, il faut qu'il fasse des grandes études, etc. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, j'aimerais beaucoup me lancer en live. C'est vrai que ça me fait un peu peur de montrer ma tête sur Internet, mais je me dis bon. Donc voilà, pour les petites updates de ma part. Par contre, les demandes de subvention, c'est tellement long. Je pense qu'à un moment donné, le bébé va pleurer. Et le problème, c'est que quand on quitte la demande de subvention, on peut pas la reprendre. Du coup, t'es obligé de faire d'une pierre deux coups, quoi. C'est trop chiant. Sur looking à nos Sims, comme vous pouvez le voir, Winston, bon, il est MDR, mais ses cheveux, je les ai fait un peu pousser. Ben, lui, du coup, bon, il lui manque une dent, mais parce que je crois qu'il a une dent qui bouge. Ouais, c'est ça, il a une dent qui bouge et elle aussi. Faudra que soit on les arrache ou on les laisse tomber. Ouais. Oh non, il y a Bruce qui pleure. Oh no, no, no. Allez, finis vite ta demande de subvention là, s'il te plaît. Oliver est de retour de l'école et les notes sont en hausse pour Sequoia. Tu vas aller faire tes devoirs toi tout de suite. Je pense que Sequoia, elle va être quand même quelqu'un qui va réussir à l'école. Peut-être Oliver, pas trop, parce que c'est un peu un casse-cou. Et c'est vrai, par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les grands-parents, j'ai peur qu'ils meurent. Bon, on va quand même attendre l'arrivée d'Inata pour faire grandir, du coup, Bruce. Vu quand même, là, ça va être... Il y aura beaucoup d'anniversaires, je pense que je vais inviter les grands-parents. Et pourquoi pas inviter les voisins? Ouais. On n'aura pas de gâteau d'anniversaire, malheureusement. Faut que je fasse un gâteau... C'est parti. Ah, peut-être elle aura le temps, là. Ouais, vas-y, vas-y. Bon, elle est un peu triste, mais je suis désolé, Sequoia. Oh là là, désolé Inata, on va faire vite un petit gâteau. Pourquoi elle... Non mais Céleste, elle cherche un peu, je vous rappelle, il y a deux épisodes, ils se sont disputés avec Inata et Winston parce que du coup elle était jalouse de Céleste et elle rentre dans la salle de bain. Super, j'apprécie. Je pense qu'on va d'abord fêter l'anniversaire de... Comment s'appelle-t-il? De Bruce. Continue le gâteau toi, t'as fini? T'as fini? Oh mon dieu Winston, je vais te tuer.
Je le déteste. Alors, déjà, Hinata, tu vas péter un câble. Faire des réflexions, y a pas à faire des réflexions. Pas crier sur lui, je veux pas qu'elle crie sur lui, mais c'est pas grave. Heureusement, j'ai un mode pour, parce que là, j'ai la flemme de refaire un autre gâteau, on va changer d'âge avec ça. Je suis désolé, Winston, c'est toi qui l'as cherché. Oh non, mais il faut souffler les bougies. Bon, on va dire qu'on a acheté un gâteau pour Bruce. On va acheter un gâteau, on va prendre un gâteau comme ça. Et tu vas un peu parler avec les gens. Et où, Carlo? Toi, t'es où? Mais s'il te plaît, est-ce que tu pourrais arriver? Non, 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 attendez, je vais fermer la salle de bain. Il m'énerve, Carlo. Je vais le réinitialiser. Tout le temps, il va prendre un bain dans notre salle de bain. Genre, je sais pas, t'as pas de baignoire chez toi? Allez, bye. Mais elle aussi, mais il m'énerve. Pourquoi vous prenez des bains? Ils me saoulent tous. Je pense qu'on va vite se fêter l'anniversaire là parce que voilà. Faites en sorte que quoi? Faites en sorte que le Sim qui fête son anniversaire parle en étant heureux. Bah il est concentré le pauvre donc il va pas faire long feu. Tu vas où là Carlo? Winston, va souffler les bougies. Allez, c'est l'anniversaire de Winston. Allez les gens, s'il vous plaît, fêtez l'anniversaire de Winston. Tout le monde s'en fout. C'est génial. Pourquoi on va tous dehors là? Ok. On va très loin. Il n'y a pas de place. Ok. Les Sims dans toute leur splendeur. Donc l'âge adulte au programme réaliser ses rêves, retraite à préparer, crise de la quarantaine alors il n'y a pas de temps à perdre. Est-ce qu'il va avoir une crise de la quarantaine? Je suis pressé de voir ça. Qu'on va appeler à table, on va prendre des gâteaux. Nous en attendant, on va changer d'âge le petit Bruce en haut. Je me demande quelle couleur de cheveux il aura. Parce que je vous rappelle qu'on a un peu cette malédiction d'avoir le blond de Winston. C'est l'anniversaire de Bruce. Oh, il a les cheveux bruns. Oh my god. Il va être calme. Oh my god, enfin, mais il a les yeux verts, je crois. Il a l'étape sourire qui a été débloquée. Oh, il y a Oliver qui est venu voir. Oh, il est trop mignon, j'ai l'impression. On va prendre dans ses bras. Viens avec nous. Et on va aller en bas. J'aimerais que tu montres à. Il est où, Winston? Winston, arrête d'être avec Céleste dans la salle de bain. Arrête de nettoyer les trucs là. Tu nettoies jamais. Et là, comme par hasard, quand tu dois pas nettoyer, tu nettoies. Oh. Trop mignon. Mes visiteurs débloqués, nice. Tu vas serrer dans les bras. Oh non, il pleure. Tu vas présenter après à ta mère. Toi, tu vas où là? Bon, bah, c'est une petite fête d'anniversaire tranquille, quoi. Winston est buggé, j'ai l'impression. Oh, ils se sont disputés là, les deux là. Lui donner à manger à Bruce parce que là, il commence à avoir faim. Bon, bah, ça a été une bonne fête d'anniversaire. Bon, pour l'instant, on fait ça. J'ai envie de laisser ce lit là. Je me dis que ça peut être pas mal de le laisser. Est-ce qu'on peut pas faire en sorte qu'il dorme dans les bras d'Inata? On va aller dans la chambre avec Inata. Je crois qu'on peut bercer dans les bras. Je sais plus. Je suis pas sûr, mais. Bon, les enfants, allez dormir parce qu'il est un peu 22h demain. Vous avez école. Je crois qu'elle va faire une petite sieste à Bruce. Bon, elle est fatiguée, Inata, malheureusement, mais. Voilà. C'est trop mignon cette interaction. Bon, la fête est terminée. On va nettoyer un peu tout ça. Et après, toi, tu vas vite aller améliorer ça, mettre ça. Inata ne va pas tenir très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'est levée? Sequoia a perdu sa dent qui bougeait. Ah, nice! On va placer la dent sous l'oreiller et dormir. Hinata ne va pas du tout bien. Dépêche-toi, s'il te plaît. Elle s'évanouit dans combien de temps? Dans 29 minutes. Oh my god. Ou elle va s'évanouir. Oh non! Dépêche-toi! Elle va poser le bébé par terre et après elle va tomber. Va mettre Bruce ici. Allez, nous, on va aller dormir. Ah, elle a 99 simflouz grâce aux dents. Et du coup, tu pourras aller te préparer pour l'école. Qu'on aille faire la lessive aussi. Il y a trop de choses à faire là. Trop de choses à faire. Ça fait bizarre d'avoir un bébé qui ne pleure pas trop, je dois vous avouer. Ça me choque un petit peu. Et ensuite, tu vas appeler à table pour tout le monde. Mais toi, tu vas aller t'occuper de bébé. Est-ce qu'on a notre truc? Ah, il y a notre truc. Et après, on pourra le poser là. Pourquoi il y a eu un moins pour la confiance? Alors, nouvelle dîne. Une dynamique familiale facétieuse avec Oliver. Oui, ça me va. Bah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Céleste veut devenir notre meilleure amie. Je pense qu'elle va dire bien sûr pour pas la blesser. Genre, elle est un peu en mode bon. On s'est quand même disputé à cause de toi. Mais tu viens pas comme ça chez nous, en fait. Oh là là, le bébé, il pleure tout d'un coup, là. Ah, il y a de la musique, pardon. Voilà, essaye de faire dodo maintenant. Mince, j'ai pas dit aller au travail. Comment on fait ça encore? J'engage une nounou. Non, pas une livraison. Mince, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Science étrange. Au laboratoire, l'expérience de Sequoia a explosé, ce qui a mis le bazar et a fait peur à un autre élève. Nous pensons qu'elle a fait exprès. Non, je pense pas qu'elle a fait exprès. On va demander un service, une nounou. Notre maison est dégueulasse. Hein. Oh mon dieu. Bon, désolé, Bruce, mais on doit aller au travail. Je me suis trompé. Oh mon dieu, il fait la lessive. Il est trop gentil. Faudra qu'on l'invite un jour parce que lui, il a quand même
Surveiller trois de nos enfants actuellement. Monsieur, vous avez oublié quelque chose sur le feu là, non? Allez, lave-nous. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Change-moi la couche. Comment on demande ça? Amical. Ah, il va nous poser dans le berceau. Carrément, il nous a dit, ferme ta bouche. Bon, bah on va avoir une couche qui pue. En fait, je retire ce que j'ai dit, je vais pas l'inviter, il s'occupe pas bien de nous. Mais dors pas, t'as faim! J'ai besoin d'aide. Bon, on va laisser le temps passer parce que là... Comment il s'appelle? Il s'appelle Vincent. Vincent Prescott. Ok, bonjour Vincent. A besoin d'aide, ben je sais très bien que t'as besoin d'aide, mais... je sais pas comment il s'appelle là. Ike. Il fait rien. J'ai besoin d'aide. Elle grandit dans combien de temps? Dans 5 jours, hein. Je pensais que ça allait être... Ah, il a obtenu une augmentation, lui. Bon, toi tu vas faire la lessive parce que là c'est plus possible. Faudra qu'on mette la danse sous notre oreiller avec du coup Oliver. Oh, elle est pas bien elle. Hein. Va essayer de prendre un petit bain, va essayer de te relaxer. Et tu peux partir toi, c'est bon. Et j'aimerais du coup que tu l'apprennes à faire passer un moment sur le ventre. Et elle est en train de se détendre parce que là ça n'allait plus. En vrai, c'est dommage que nos parents, genre soit Néa, soit Carlo ou même Amélie, ils sont pas venus chez nous. Pour nous aider parce que là on a vraiment besoin d'aide. J'arrive pas trop à gérer tous ces enfants. Ah, il a débloqué, levé la tête, nice. Oh là là, le bébé est en train de pleurer. Il sonne chez nous. Ah mais c'est Carlo. Il a de la confiance en moi à chaque fois. Pourquoi il a pas confiance en lui? Je sais pas. Après tu vas rentrer à la maison. Parce que elle, sa confiance en soi est élevée. Je comprends pas pourquoi. Non mais tu fais pas de... Pourquoi il est en train de faire du ballon? Winston. Bon, les enfants, est-ce que vous pouvez rentrer chez vous, s'il vous plaît? Là, il est un peu tard. Est-ce qu'on a assez à manger, là, pour ce soir? Parce que je crois qu'Inata, elle va pas pouvoir... On a de la tourte aux fruits. On a des macaronis, tiens. Ça expire dans 3 heures. Faut vite que t'appelles à table. Oh, elle va s'évanouir. C'est la deuxième fois qu'elle s'évanouit. Hein. En un épisode, c'est assez long, quand même. On va finir tes macaronis et tu vas aller dormir directement. Vous allez tous aller dormir après. Toi d'ailleurs, faut que tu mettes ta danse sous ton oreiller. C'est où? C'est là. Comment on fait? Voilà, placer la dent. Mais là, la maison, elle est sans dessus dessous. Je n'arrive plus à gérer rien là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de gérer 3 enfants, 2 boulots, une maison. Comment je vais faire? Vraiment, et ce n'est que le début. Dans tous les cas, c'est sur ça que je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode. À laisser un commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et moi, je vous retrouve pour le prochain épisode sur le Let's Play Génération. Allez, bye!